Bonjour à tous, bienvenue dans cette première petite vidéo consacrée au CC 6500 SIM Express. Donc ces machines ne sont pas encore terminées, mais je voulais déjà vous montrer ce qui a pu être implémenté en termes de son et de fonctionnalité sur ces machines totalement électromécaniques. Donc voilà le poste 1 qui est totalement modélisé. A priori, il ne reste plus grand-chose à faire. Le petit couloir qui donne accès au compartiment moteur. On va y aller juste après, mais avant je voulais vous montrer le manipulateur traction qui est un gros bout hein, de la modélisation. C'est beaucoup moins simple à modéliser qu'un manipulateur de traction de 22 200 qui est en continu. Là ici c'est des positions stables et instables. Alors pour les bloquer, on met sur marche avant par exemple. Voilà, on passe l'écran manuellement, on les enlève, on les ajoute comme ça. Et si vous voulez augmenter l'écran automatiquement, vous utilisez le levier déblocage et vous mettez le curseur en position PR, progression rapide. Pour la plage freinage, c'est pareil, il faut utiliser le levier déblocage pour y passer. Voilà, P comme préparation au freinage rhéostatique. C'est pour laisser le temps à la machine de se configurer en mode freinage rhéostatique. Et puis on peut augmenter ou diminuer les nombres de crans freinage rhéostatique ou les passer en automatique. Ici on a ce qu'on appelle le levier de chantage, donc chantage des inducteurs. Donc c'est une astuce d'ingénieur pour augmenter l'intensité qui traverse les moteurs. Il y a 8 crans sans changer de couplage. Et en fin de couplage, vous pouvez transitionner donc de série parallèle à parallèle, voilà, en poussant le levier de chantage comme ça. Alors je vous propose eh bien, de voir ce que ça fait lorsque on met la machine en route. Alors voilà, nous voilà dans le compartiment moteur. Ici sont les batteries, ici vous avez des trappes d'accès au moteur, là, les câbles d'alimentation au moteur, et ici le système de changement de réduction qui est juste au-dessus du bogie moteur numéro 1 là. Il y a le même au-dessus du bogie moteur numéro 2. Le convertisseur statique dans sa grille. Attends, excusez-moi, je viens de sortir. Et là, le bloc électrique avec tous les fusibles. Tout sera pas actionnable, mais vous pourrez changer ici, mettre en route le KVB, enfin le désactiver, désactiver la veille automatique ici, le ré répétition de signaux et d'autres choses encore, comme le ré réservoir auxiliaire qui permet de monter les pantographes lorsqu'il n'y a pas assez d'air dans le réservoir principal, le compresseur auxiliaire que vous mettez en route ici. Mais aujourd'hui, on va juste mettre en route la batterie et l'éclairage. Donc vous avez cette petite lumière qui vient de s'allumer, et puis les pictos et le tacro qui s'est mis en route. Donc là, on voit mieux le dispositif de changement de réduction. Il faudra utiliser cette manivelle qu'on introduit dans ces deux ergots là, mais pour l'instant c'est pas modélisé, on verra ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Nous voilà donc devant ce manipulateur de traction. On va ouvrir la boîte à levier et sans fermer le disjoncteur, on va écouter le bruit de ces fameux graduateurs et toute l'électromécanique de puissance qui a derrière nous. Alors voilà, ici donc les inverseurs déjà. Donc on entend tous les contacteurs qui changent lorsqu'on change de mode de traction avant ou arrière. Et je vais vous faire écouter, donc on va regarder ça vient de s'illuminer, donc le répétiteur de cran. On va pouvoir vérifier donc les positions de graduateur. Passer en mode de progression rapide. Donc
normalement, ça progresse pas à cette vitesse-là, puisqu'il y a, une limitation d'intensité. Ah oui, alors là, ici, on a des petits soucis d'affichage, mais ce sera réglé. Oui, donc c'est limité à 1200 A en série parallèle et 1000 A pour tous les autres cas de couplage, mais la machine limitera à 800 A automatiquement lorsque vous êtes en progression rapide. Voilà. Si vous êtes ici en cran 28, vous êtes en fin de série ou série parallèle, et il faut transitionner si vous voulez passer en parallèle, donc pour augmenter encore l'intensité dans les moteurs. Et pour transitionner, on utilise ce levier. Si vous ne souhaitez pas tellement augmenter votre vitesse, mais juste l'ajuster, vous pouvez utiliser l'écran de chantage. On entend. Et pour transitionner, voilà, c'est ce petit bouton-là. Et ensuite, vous pouvez repasser donc vos crans. Et cette fois, vous êtes en couplage des moteurs en parallèle. Alors là, on a fait tout ça avec la porte ouverte. Donc on va voir que quand on ferme la porte, eh bien, ça change l'intensité des sons. Et pour le freinage rostatique, c'est pareil. Donc levier de déblocage, position P. Là, ça laisse le temps à la machine de se reconfigurer et vous pouvez passer vos crans, les freinages statiques en manuel, les diminuer ou passer en automatique. Voilà. On peut fermer les joncteurs, allons-y. Attends, on va essayer de faire ça comme ça, voilà. Peut-être avant, il faut lever un panto. Donc pour l'instant, les sons extérieurs ne sont pas implémentés. Donc là, vous avez le son qu'on entend à l'intérieur. On voit à l'extérieur, mais c'est pas très... On l'entend à l'extérieur. Mais donc, c'est un son vraiment qui a été pris sur une 6500, la 6549. Et le son de descente du panto. Avec un bon grincement là. Ah, voilà, le moteur va même monter les deux, tiens. Et c'est parti pour la fermeture des J, toujours 2 secondes. Voilà, si vous laissez pas 2 secondes, ça se referme, enfin, ça se réouvre. Voilà, ça tente ce souffle. Voilà, ça c'est le convertisseur statique qui vient de se mettre en route, donc pour alimenter tous les systèmes. À partir de 1500 et de conversion 72 volts, voilà, c'est cet appareil électronique, cette cage là. Et allez, pour le plaisir, pour finir, je vais vous faire écouter le compresseur qui, à mes yeux, enfin à mes oreilles, on va dire, c'est vraiment le summum. Il est très proche celui des 7200, 22000, mais il est encore au-dessus. Écoutez ça. Fermer la porte. Hein. Voilà. Donc on va revoir le DJ. Baisser un panto. Les deux.
boîte à levier. Et batterie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec les nouvelles fonctionnalités implémentées. Je vous souhaite plein de bonnes choses, à bientôt.